Yo so boyana, papa mana sa moana nzambe. Yo bokonzi melanga pour rien, na sa moana laka. Pesanga ton, pesanga chance. Yala mingi te yo komona yango. Bilaka ya nzambe, koko kisa mana bomo inangai. Histoire ko change. De Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Et le Keranga, Zamboyo, Ponani Nyango, Pona Sengai, la mérite de tes singolou, Batoyamo qui li baso comprendre tes Baloukago, combattre Yango, Batikala Nasoni Nabi, ma vainqueur, Nayoki Mongongo, et Tina Lula, yo belinga esa sezona. Pero el que langa, damo yo. Na merita kite esa sengolu. Baluka ba combattre yango. Na yo ki mongongo, e utina lula. Saison en aïe, saison en aïe, saison en aïe, vraiment ma saison est, c'est que sur la corde à tangoté, en tout cas, n'a pas si mangoé. Saison en aïe, saison en aïe. Saison ayoye, la lande roboti ma passe. Saison ayoye, la lande roza elepe. Saison ayoye, saison ayoye. S'avérer un démon. Allô, allô.
Voilà, c'est bien, mon frère. Comment oses-tu t'approprier ma demeure? C'est moi qui vais conquérir ma fille avec des bonnets remontés, on dirait un marabout. Allez, dehors! Je ne te valide pas! Dehors! Assassin, bandit, meurtrier! Judas! Lima! 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 L
Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux. Ils sont beaux. Aujourd'hui, c'est un moment de fête, de joie, n'est-ce pas? Mais nous n'oublions pas que c'est Dieu qui permet toutes choses. Amen. Nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, ici, notre frère Papa Mauriac et notre sœur Marcus ont pu prendre cette décision de se rassembler devant le Seigneur. C'est parce qu'il est capable de tout. Amen. Et c'est pour cela, ce soir, nous voulons encore lui rendre gloire. Nous voulons encore l'honorer, nous voulons encore le célébrer pour ce qu'il fait dans nos vies. Toujours dans tous les mariages, vous avez assisté à combien de mariages? 10, 20, c'est comment? 1, et ensuite, je lui ferai une aide semblable hein, à lui. Et les deux, vous avez oublié quelque chose, hein? C'est pas moi. Ainsi, l'homme. Et les deux ne deviendront plus deux, mais une seule. Hein? Amen. Quand l'église est terminée. Alléluia. Alléluia. Puisque vous avez lu le passage, je vous rappelle seulement ce texte-là que je voudrais, sur lequel je voudrais m'appuyer. Se trouve dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. C'est Jésus qui le prononce. Mais Jésus le prononce parce qu'il répète ce qui a été fait depuis la création. Amen. Donc Jésus ne vient que accomplir ce qui a été dit depuis le temps ancien. C'est pour cela, bien-aimés, Nous sommes vraiment heureux. Nous lisons ces passages-là. C'est vraiment pour vous. Je serai à chaque fois contraint de parler à la salle, mais aussi de parler à vous deux, parce que c'est vraiment important que vous suiviez ce message. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, il y a d'abord le sentiment d'amour qui naît. Et comme nous le voyons, l'amour était déjà là. Amen. Nous venons seulement accomplir ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu les a bénis avant même que nous soyons là. Dieu les a visités. Quand j'écoute leur témoignage, je dis, même moi, ils m'ont rencontré que sur un chemin. Parce que Dieu a permis qu'on se rencontre. Alléluia. Amen. Que je devienne aujourd'hui leur pasteur. C'est un privilège. Mais dans les temps où ils sont là avec nous et ils ont ce merveilleux projet, alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est pour cela, quand je vois cet accomplissement, je dis gloire à Dieu. Papa Mauriac, ça fait... On est déjà dans le message, hein? Oui. Vous savez qu'on est déjà dans le message? Amen. Hein? N'attendez pas un autre message, il n'y a que ça. L'esprit parle comme ça. Ça fait combien d'années vous êtes là? Vous deux? Non? Vous êtes ensemble. 13 ans. Hein? 13 ans d'unité. Est-ce que 13 ans d'unité, les 13 ans peuvent durer, peuvent rester, s'il n'y a pas d'amour? Combien d'enfants, papa? Trois beaux enfants. Ah, ils sont là. Amen. Amen. Trois enfants sont nés de leur union. 13 ans. Et je vous rassure que
Papa Mauriac, tu avais une dette que tu voulais à tout prix accomplir. Je ne sais pas dans les coulisses de votre union, mais maman Ruth demandait toujours quel est le jour où tu vas me honorer. Tu vas m'honorer. Amen. On est déjà en couple, non? Mais quel est le jour où tu vas m'honorer? Alléluia. Tu m'as assez caché. Mais je vais être connu en public. C'est pour cela le mariage, bien aimé, c'est un témoignage public. C'est pour dire que le frère est marié. La sœur aussi est mariée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Nous avançons encore hein, un peu plus loin dans leur couple. Mais qu'est-ce qui fait que, hein, papa, 13 ans, préparation et tout ça, et tu as choisi seulement aujourd'hui? On est dans le message, hein? Aïe, 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 aïe. Lui, il pensait que c'était des pasteurs qui prêchent hein, jusqu'à la fin. Amen, on va les bénir. Non, moi, c'est eux. Je ne vous lâche pas aujourd'hui. Amen. Mais c'est leur jour, non? Oui, c'est comme ça. 13 ans. Maman, patience, hein? Ah. Mais je vous dirais que les 13 ans, tu ne les vois plus. Tu ne vois que c'était comme si c'était... Yeah. Mais moi, je dis, c'est comme si c'est... Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Après ça, tu vas demander encore un autre remariage. Non, hein? Ça suffit. Ton cœur est comblé. Tu voulais être comme ça. Ah. Amen. Amen. Maman, mets-toi un peu debout, hein. Yeah. Voilà comment elle est belle. Hein? Elle est magnifique. Mais maman, je vais te dire une chose. Si tu es comme ça, c'est lui qui t'a fait comme ça. C'est lui. Amen. C'est lui, hein. Amen. Papa Mauriac, mets-toi un peu debout. S'il te plaît. Approchez-vous un peu. Ah. Amen. Tu l'as vu, hein? Ah. C'est toi qui prends soin de lui, hein? Ah. Elle accepte, hein? Elle dit, c'est moi qui prends soin de lui. Ah, à 100%, merci maman. Pas une autre femme, hein? Il n'y a que toi qui prends soin de lui comme ça. Amen. Regarde, papa est en train de dire oui. C'est toi qui le conseille aussi pour les barbes et tout ça, les moustaches. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, je tourne vers vous. Est-ce qu'on vous a marié? Amen. Amen. Si on ne vous a pas marié, papa, si tu es là, tu es une femme. Maman. Alléluia. Femme, soyez soumise. Est-ce que vous aimez ce passage? Oui. Hein? Ici, il y a des gens qui aiment ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais vous, dans votre couple, vous êtes soumise. Hein? Amen. Hein? Vous avez de la chance et je n'ai pas vu votre mari. Adieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, la question de soumission ne se pose même pas lorsqu'il y a l'amour. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Lorsqu'on aime son mari, le mot soumission, ça n'a pas de sens. Parce que l'amour est profond. L'amour amène le respect, la politesse, l'obéissance et le mot soumission. Je crois que ce mot-là a été donné aux femmes qui se révoltaient. Aux femmes qui résistaient à leur mari. Il y en avait à l'époque. Et c'est pour cela qu'on leur a donné l'ordre. Hein? Femmes, soyez soumises.
Mais est-ce que vous avez besoin de soumission si vous êtes déjà dans l'obéissance? Non. Non. Puisque l'obéissance, alléluia, c'est automatique. Alléluia. L'obéissance, l'amour, c'est comme un bouton. Lorsqu'on appuie, qu'est-ce qui se passe? Il y a la joie. Il y a la paix. Alléluia. Il y a la... Oh! Il y a la fidélité. Vous avez oublié une chose. Lorsqu'on appuie sur le bouton de l'amour, il y a la beauté. Alléluia. 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 Madame, vous êtes plus belle lorsque votre mari appuie sur le bouton d'amour. Alléluia. Partout où vous passez, vous tournez, vous montrez, vous dites que je suis la plus belle des femmes. Parce que j'ai l'amour. Et cet amour, c'est ton mari. Il a appuyé sur le bon bouton. Alléluia. On ne va pas aller loin. Il y a un moment que tout le monde attend. C'est après avoir entendu la parole de Dieu. Dieu amène la bénédiction dans le couple. Et ce moment-là, on a besoin d'entendre à l'homme de Dieu comment cette grâce, cette faveur va se mettre. Moi, je dirais que l'amour de Dieu est déjà dans vous, dans votre couple. Mais il y a une grâce particulière que Dieu veut mettre encore au-dessus de vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez honoré. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui préfèrent vivre en copain-copine. C'est-à-dire qu'on n'ira pas loin, mais nous nous aimons, cela suffit. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous montre bien que le canal de l'amour, le canal de l'amour concret, c'est le mariage. C'est le mariage, bien aimé. Et les jeunes filles qui sont là sont en train de rêver. Mais je vous dirais aussi, vous les femmes, commencez à rêver. Bien-aimés, si à l'époque on vous a marié et que vous n'étiez pas contente, hein, je parle plus aux femmes, si vous n'étiez pas contente et que dans les entretiens j'ai entendu et qu'il y a des femmes qui disent mais j'aurais souhaité que mon mariage se passe à ce moment-ci mais pas à l'époque. Parce qu'il nous manquait des choses, il manquait certaines choses et que je pense que je peux le faire maintenant. Bien-aimés, tant qu'on est en vie, vivez, éclatez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis, c'est une grâce. C'est une grâce et j'ai envie de vous dire, bien-aimés, alléluia. C'est une grâce. On a des opportunités et des occasions comme ça. On n'ira pas jusqu'à leur demander... Combien vous avez investi, combien vous avez dépensé pour organiser une journée comme ça qui ne durera que quelques heures. Après, c'est fini. Mais c'est une journée, c'est une soirée qui va marquer votre vie. Alléluia. C'est une soirée qui va rester et même les amis parleront de cette soirée. C'est pour cela qu'on investit. On dépense, on ne regarde pas. Cela vient une fois. Et une fois c'est fait, on est comblé dans son cœur. Alléluia. Que vraiment le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Le mariage, c'est aussi le jour où on montre que... En Lingala, il y a un terme que l'on dit. On dit quoi? Nakoka. Hein? Vous avez entendu ça? Nakoka. Le mariage, c'est un jour comme ça pour dire que Nakoka. Alléluia. Je vais tout faire. C'est un peu comme de la. Hein? C'est un peu comme quelque chose de mystique. Le frère. Une statuette. Imaginez-vous une statuette. Vous touchez, vous blessez. Vous grattez, c'est une statuette. Il n'y aura rien qui va se passer. Alléluia. Mais quand vous prononcez une parole mauvaise,
il y a quelqu'un qui reçoit, c'est votre femme. Et si elle souffre de ça, cela veut dire que vous avez blessé son cœur. Mais vous ne l'avez pas blessé, mais vous avez blessé l'amour qui est en elle. Ou l'amour qui est en lui. Et quand vous blessez cet amour-là, puisque l'amour, cet amour-là ne vient pas de l'être humain. C'est l'amour qui vient de Dieu lui-même. Or, Dieu est amour. Si vous blessez votre femme, c'est-à-dire vous blessez celui qui a placé l'amour en elle. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'une femme triste, une femme qui pleure, c'est une femme qui ne peut pas s'épanouir dans son couple. Une femme doit être joyeuse. Papa Mauriac, tu verras toujours que ta femme soit heureuse, joyeuse, à tout moment et dans toutes les circonstances. En aucun cas, tu peux lui tourner le dos. Tourner le dos à ta femme, c'est tourner le dos à ton amour. Alléluia. Or, si tu fais du bien à cet amour, il n'y a même pas ce parole que vous avez lu. Je vais, puisque j'ai une très belle salle aujourd'hui, et aussi des très beaux hommes qui sont là, et des très belles femmes qui sont là, et je vais vous dire qu'est-ce qui est demandé à la femme selon la Bible. Et les femmes contestent toujours ce passage-là. Vous le savez, hein? Amen. On dit, dites vous-même, femme. Eh, bravo. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même, hein? Alléluia. Femme, soyez soumise. Est-ce que vous aimez ce passage? Non. Oui. Oui. Ici, il y a des gens qui aiment ça. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais vous, dans votre couple, vous êtes soumise, hein? Amen. Amen. Ah? Vous avez de la chance, je n'ai pas vu votre mari. Adieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, la question de soumission ne se pose même pas lorsqu'il y a l'amour. Amen. Et, alléluia. Amen. Lorsqu'on aime son mari, le mot soumission, ça n'a pas de sens. Parce que l'amour est profond. L'amour amène le respect, la politesse, l'obéissance. Et le mot soumission. Je crois que ce mot-là a été donné aux femmes qui se révoltaient. Aux femmes qui résistaient à leur mari. Il y en avait à l'époque. Et c'est pour cela qu'on leur a donné l'ordre. Hein? Femmes, soyez soumises. Mais est-ce que vous avez besoin de soumission si vous êtes déjà dans l'obéissance? Non. Non. Puisque l'obéissance à l'autre femme. Femme, respectez votre mari. Et organisez-vous et priez le Seigneur et que ce jour. Sur leur déclaration. On est d'accord, hein? Amen. Alléluia. Amen. Je vais leur poser quelques questions et ils vont répondre. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous allez, toi tu vas le regarder en face. Maintenant là, oubliez que nous existons. Hein? Regardez, papa, regarde comment elle est belle. Maman, tu as vu comment elle est? Ah, ok. Moi, je vais le mettre ici pour ne pas vous cacher. Mauriac, tu es devant Ruth.
est-ce que oui. Devant cette assemblée pour dire que quoi qu'il en soit, tu la soutiendras et tu seras toujours le premier à être à ses côtés. Oui, je serai toujours le premier, la première personne qui sera à côté des rites dans tout le problème qui va arriver. Oh, on dit donc, tu as vu comment elle est belle. Elle est en train de... Hein? Elle est en train d'éclater là. Elle est mille lumières. Dis-nous devant l'assemblée et que tes yeux ne se tourneront pas. En tout cas là, il faut vraiment la regarder bien. Tes yeux ne se tourneront pas vers une autre femme. Hein? Que... Tu lui dis toi-même. Oui, bien sûr. Mes yeux... Regardez toujours. Oui, mes yeux regarderont toujours à côté des rites. Donc, dans votre temps, sous moi, c'est vous sous-soutez. Thank you.
rappelle, dès le premier jour que tu m'as vu, tu m'as dit, toi, je vais t'énorme. Je me suis dit, tiens, dès le premier jour comme ça, non, toi, t'es une escroc. Là, quand j'ai réalisé, tu m'as regardé devant la famille, devant l'église, là, et devant Dieu, en connaissant ton père. Je t'ai mis cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Amen. Jésus.
Maintenant, il y a quelque chose de très particulier qui va se passer. Alléluia. Amen. Merci. Il y a maintenant quelque chose de très, très particulier qui va se passer. Amen. Hein? Amen. Voilà. Pour nous, je déclare, pour l'Église, devant Dieu et devant les hommes, je déclare que Papa Moria et Maman Ruth, vous êtes mari et femme.
votre union. Église, vous remet, ouvrez-le un peu. C'est plus que l'argent. Amen. Amen. Ah oui, hein. Ah oui. De mariage religieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand on passera chez vous, on les trouvera bien dans un cadre bien caché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, vous pouvez y aller. Thank you.
grâce à vos vannes, dans l'église, la reine de la soirée, on m'arrête. Avec DJ Bella, mariage de l'année. S'il vous plaît, moi, je te laisse. Tellement. Thank you.
Jésus.